Ces images nous montrent une représentation in vitro du point d'impact des ondes de choc piézoélectriques. Ces ondes élastiques, dont on peut varier la fréquence et l'intensité, sont produites par 320 quartz placés dans un cône qui les focalise sur un point fixe. En agissant par érosion plutôt que par explosion, ces ondes permettent d'obtenir une fragmentation progressive de la pierre en sable fin. Le lithotriteur EDAP est composé de trois éléments principaux qui sont les consoles de commande, les armoires électroniques et la table sur laquelle le patient est installé. Entre les deux éléments de la table se trouve le cône surmonté d'une bulle qui permet d'obtenir le contact entre la sonde ultrasonique placée au centre du cône et le patient. La possibilité de déplacer le cône dans tous les axes permet le repérage de la pierre, quelle que soit sa position dans le système excréteur rénal. Ce nouveau type de lithotriteur dont nous venons de vous décrire les caractéristiques techniques présente à mes yeux trois avantages majeurs par rapport au lithotriteur des anciennes générations. Tout d'abord, par son mode de focalisation, les ondes qui pénètrent d'une manière diffuse dans le corps ne provoquent pas de douleur, ce qui évite l'anesthésie, donc l'hospitalisation. Ensuite, par leur mode d'action, ces ondes de choc qui agissent par érosion plutôt que par explosion, fabriquent un sable beaucoup plus fin, évitant les complications obstructives ou les douleurs lors de l'élimination du sable. Comme nous le constatons ici, les lithotriteurs d'ancienne génération fabriquent du gravier, alors que ce lithotriteur de nouvelle génération fabrique du sable extrêmement fin. Enfin, ce lithotriteur, dont le prix d'achat est bien inférieur aux autres lithotriteurs, ne nécessite l'utilisation d'aucun consommable tel que électrode, générateur ou maintenance élevée, raison pour laquelle le prix de revient du traitement est de 2 à 3 fois inférieur au prix de revient des traitements avec les anciennes générations de lithotriteurs. La cupule est enduite d'un gel de contact afin d'améliorer la qualité de l'image ultrasonographique. La patiente peut ensuite s'installer toute seule sur la table puisque aucune anesthésie n'est nécessaire
en raison du mode d'action et de focalisation des ondes de choc. La cupule est portée au contact de la loge rénale. Cette radiographie montre la présence d'un calcul piélique qui nécessitera un traitement d'environ 60 minutes. Sans douleur apparente pour la patiente. Ce cliché péropératoire montre une dispersion du sable dans les calices. La patiente, qui pourra regagner son domicile immédiatement après le traitement, reçoit un document lui expliquant les ennuis possibles après lithotricie, tels que hématurie, colique néphrétique ou état fébrile. Environ un mois après l'intervention, nous revoyons la patiente afin de pratiquer une radiographie de contrôle. Cette urographie montre la présence d'un calcul très douloureux et obstructif du haut uretère droit. L'ultrasonographie ne permettant pas le repérage des calculs dans l'urètre, nous devons mettre en place une sonde urétérale afin de le repousser dans le rein. Une chasse hydrique efficace, pratiquée par l'intermédiaire d'une sonde urétérale mise en place par voie endoscopique, permet en général de repousser la pierre dans le rein. Nous laissons ensuite en place la sonde urétérale afin d'éviter que la pierre ne redescende. Cette image ultrasonographique nous montre la coupe longitudinale du rein avec le sommet du triangle qui représente le point d'impact des ondes de choc. Sur cette radiographie faite le lendemain d'intervention, on constate l'élimination du calcul. Cette urographie faite chez une fillette de 10 ans montre une importante dilatation du système excréteur due à une pierre obstructive du bas-urètre droit. Pour des raisons de repérage ultrasonographique, il est important que la vessie soit pleine pour pouvoir pratiquer le traitement. Après repérage et positionnement souvent difficile pour les calculs du bas-urètre, nous commençons le traitement en augmentant progressivement l'intensité de l'énergie des ondes piézoélectriques. Ce tableau nous permet de contrôler durant tout le traitement l'évolution de la situation. Il nous permet de connaître le temps de traitement ainsi que la fréquence et l'intensité des ondes de choc. À la fin du traitement, nous obtenons un protocole qui sera mis dans le dossier du patient. Sur cette radiographie faite immédiatement après le traitement, on note
la fragmentation du calcul qui est éliminée quelques jours plus tard. EDAP, c'est si bon que les diététiciens en sont réduits à mettre la clé sous le paillasson.